Les amis, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très 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 content de vous retrouver ce soir pour une prochaine vidéo. Et ce soir, je vous propose une vidéo de dégustation pour changer. Voilà. J'espère que ça vous plaît les vidéos dégustation. Et aujourd'hui, on va déguster des bonbons. Mais pas n'importe quel bonbon. Parce que ce sont des bonbons sans sucre. C'est tout. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de gélatine, mais du coup, s'il y en a. Ce sont des bonbons sans sucre. Pour 100 grammes, il y a 203 kilocalories. Ce qui n'est pas rien, quand même. Parce que 203 kilocalories pour 100 grammes, ça reste quand même un apport assez conséquent. Après, c'est vrai qu'en général, les bonbons, on est plus autour de 500 kilocalories pour 100 grammes. Entre 3 et 500. On a des protéines, 6 grammes de prot. C'est certainement dû à la gélatine d'origine animale utilisée. On a du gras, un tout petit peu de gras. Et on a de l'hydrate de carbone. Je sais pas ce que c'est. On a 73 grammes de ça. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ce qui remplace le sucre. Il y a écrit confiserie gélifiée, aromatisée, goût fruit, sans sucre, avec édulcorant. Ah, les édulcorants, c'est pas ouf ça, je crois. Acidifiant, arôme naturel, concentré de spiruline, ça c'est plutôt cool, concentré de cardame, concentré de jus de carotte noire, concentré de raisin, colorant, huile de coco, agent d'enrobage, sans gluten, sans colorant artificiel à conserver dans un endroit sec à température ambiante, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Déclinquer un paquet tout seul, est-ce que c'est une consommation excessive? Je vous ferai un retour dans les prochains jours. Ouais, bon, de toute façon, comme d'habitude, c'est pas à manger en excès ce genre de produit. Je vous dis ça alors que j'en mange beaucoup trop. Normalement, je devrais vraiment réduire ma consommation de ce genre de choses. Même si, à premier abord, c'est quand même quelque chose qui est censé être... assez... bon, pour la santé. Ah, et je vous ai pas parlé de la boisson pour accompagner ça. Alors nous avons ici une boisson cacao milk. Cacao milk, c'est tout simplement du lait au chocolat. J'adore ça, en plus c'est dans du verre. Et j'adore, c'est super bon, c'est frais, c'est... C'est un délice. Alors après, elle est pas suffisamment frais là. Ça fait trop longtemps que je l'ai sorti du frigo, donc je vais pas trop en boire. Genre vraiment, moi, une boisson comme ça, si je la bois tiède, on va dire que c'est une boisson à 3 sur 10. Si je la bois bien fraîche, c'est une boisson qui a 9 sur 10, tu vois. Ça change tout la température. Alors voilà les bonbons, comment ils se présentent. Ils sont tout mignons. Ils sont tout mignons. Ça donne très envie. Ici on a la banane, bien sûr. Ici on a la fraise. La fraise. Et ici on a l'ananas. Le mec qui connaît pas ses fruits. Ça me tue parce que à chaque fois que je fais des trucs comme ça, il y a des gens qui pensent que je suis sérieux. Ça me fait penser à... L'autre jour, j'ai fait une vidéo
sérieux. Genre, à un moment donné, il y a réponse dans mes dessins. Et je dis que c'est la Reine des Neiges. Ou alors, je sais pas, il va y avoir Pikachu. Et je vais dire que c'est Tortank. Tu vois, enfin, des trucs évidents. Évidents. Et les gens, ils me disent en commentaire, alors par contre, tu t'es trompé, c'est pas Pikachu et tout. C'est comme, là, il y a des gens qui vont me dire, alors par contre, tu t'es trompé, c'est pas une ananas, c'est une pomme. Alors ça, par contre, vraiment, je sais pas ce que c'est comme fruit. Peut-être un citron. Sur ça par contre, tu vois, je pense sérieusement, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un citron. Ça pareil, en vrai, je suis pas sûr de ce que c'est. Parce qu'on dirait des raisins, mais je suis pas sûr, tu vois. Ça aussi, je suis pas trop sûr, donc vous me direz ce que c'est. Comme ça, je dirais peut-être un raisin. Bon, ça évidemment, la fraise. La fraise, la pomme. Ça pour moi c'est citron. Ça pour moi c'est citron, évidemment. En fait c'est les mêmes les deux là. C'est la couleur qui change seulement. Et ça je sais pas ce que c'est, peut-être un raisin aussi. Bref, ils sont trop. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très 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 bonne nuit et faites de très beaux rêves. Et si jamais vous ne dormez pas encore, pensez à vous abonner à mon compte Instagram avant de dormir et à liker toutes mes photos parce que c'est gentil de faire ça. Je rigole bien sûr. Bref, je vous fais de gros bisous. Soir.